Et salut et bienvenue sur la Nomor TV. Vous êtes en compagnie de Molrog. Et on va continuer BioShock, la saga. Donc on avait trouvé un des endroits, oui je démue, on avait trouvé un des endroits importants. On avait trouvé un endroit très important dans la chronologie des BioShock et un endroit très important, c'est-à-dire un journal audio. Très important dans la chronologie des BioShock, au niveau de Souchong. Qui donc était chargé de créer le lien entre les protecteurs et les petites sœurs. Ça s'est pas fait tout seul. Et ainsi également connaître la cause de la mort de Souchong. Qui s'est donc fait tuer par un protecteur. Oh, il veut qu'on se batte. Il veut qu'on se batte, il veut qu'on se la donne, le gars. La pointe Prométhée. Bon, ça, c'est vraiment le combo ultime de Maspé. Hein. Le coup du one shot, coucou à pu. On parle pas. Hein. Ok. On va aller à la pointe Prométhée. Là, quand même, je prends quand même grave cher. Et j'ai mon petit lot de... Inquiétude. Cherche le bigard. Mais je possède tout l'attent de cette ville, mon cher. Or, il se trouve justement que j'ai envie de... Oui, donc là, on lui a donné les clés du paradis. Hein. Le mec, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu attends ? Va cueillir cet idiot ? On est peut-être balèze, mais lui... Il n'y a plus rien pour le stopper. Mais qui peut le stopper ? On va éviter de passer dans le feu, ça serait pas une bonne idée. Nice. Ce crétin est abétros. Il ne devrait même pas pouvoir marcher. Je suis pas là. Je suis pas là. Oui, ils me voient eux. Ok. Bon là, ils m'ont un peu... Ils m'ont un peu étonné. Non mais... Si vous arrêtez, je vous laisserai ce dépotoir. À vous et à votre ami. Ah non, mais foutez-moi la paix. Charles, tu l'as laissé filer. Laisse-moi réfléchir un instant. Bien sûr. Ce ne sera pas un problème. Trouve un protecteur et fouille-le. Trouve dans un mort, de préférence. Là, on va récupérer des morceaux de protecteur. Eh oui, mais vous ne rêvez pas, nous allons devenir un Big Daddy. Seul moyen de rentrer dans le Armored Escort Proving Ground, dans le musée. En gros, la porte est pétée et il n'y a qu'une petite sœur qui peut passer par ce petit trou. Alors, réduction de retour de force, cadence de tir, amélioration des dégâts, portée du lanceur chimique. Vu qu'on s'en sert pas mal, ça peut être sympa au final. Donc, malgré tout, hein, Frank Fontaine qui se la pète, qui a beaucoup d'ev, mais qui se méfie quand même à mort de nous. Hein. Il sait ce qu'on vaut, le gars. Quand même, je fais une petite sauvegarde. Donc là, on va chercher tout simplement des morceaux de protecteur. Là, ça va encore être coucou la fouille. Encore quelques dollars. Oh merde. Ah oui, c'est carrément une lance-roquette. Allez, acheter. Ah, il a cassé mon vion-vion. Il va casser le deuxième. Gagné. Non, pas dans ma gueule. Bah. C'est pas grave.
On a gagné une tourelle. Des familles. Encore un morceau. A plus, je suis pas là. Si, moi je me... Je me déterdis de partir. Ouais, brûle, vas-y, brûle, brûle. Ah oui. Les petits houdinis des familles qui TP partout. On va éviter de cramer sur une connerie là. Faudrait que je trouve un truc à graille. Oui, donc là, il va nous faire le coup classique du méchant. Le coup classique du méchant qui va pas arrêter d'essayer de nous dissuader. Hein. Non, mais arrêtez, faites pas ça. C'est moi qui vous ai créé, je suis un peu comme votre père. Ça te fait rire, Aza, que je me prenne mes propres drones dans la tronche, mes drones kamikazes. C'est vrai que c'est drôle, c'est vrai. C'est... Écoutez ce petit bruit. Je vous rappelle pas le bruit d'un Big Daddy. Oui, nous avons les chaussures d'un Big Daddy. Nous devenons un Big Daddy. Maintenant, on fait beaucoup de bruit. Comme un Big Daddy. Tel un Big Daddy. Nous devenons le Big Daddy. Il y aurait peut-être un combo rigolo que j'aurais pu faire, tiens. J'ai pas pensé. Ça aurait été de les congeler, de les éjecter avec le Vortex. Ça aurait pu être drôle, ça. J'ai pas pensé. Est-ce qu'on se testerait pas ce petit combo des familles? C'est bon. On a réussi. On est les meilleurs. Parce que techniquement... Ça, j'en ai pas besoin. Ouais, on va essayer ça. Du coup, on mettrait... c'est 7, je crois. On mettrait l'azote liquide et le vortex, là, le piège à vortex. Ah, ça me plaît, ça. Est-ce que j'aurais pas un petit... Et où tu vas comme ça? Je me casse. Tu dois devenir un protecteur pour faire sortir les petites fleurs. Ah mais je l'ai pas acheté, quel con. Dommage. Tu dois être un Big Daddy. Tu dois penser à un Big Daddy. Tu dois sentir comme les Big Daddy. C'est pas faux. Bon, c'est pas grave. Nous n'aurons pas ce magnifique combo. Bah allez, on va aller chercher là-haut. Brûle. Ça fait quand même extrêmement mal, hein. Je n'ai pas... Nous avons appris aux petites sœurs à mémoriser certaines odeurs. Je suis pas là. Les phéromones. Mais ça ne marche pas comme de la blanchette. Merde, à me voir. Les applications industrielles de cette substance. Ensuite, les petites sœurs seront attirées par toi, comme la veille par le miel. D'accord. Fais le... Voilà. Je dois trouver des phéromones pour tuer le protecteur. Mais bon, j'ai détruit ton maître, le petit drone là, calme-toi. Faire un max de bruit comme un Big Daddy, c'est exactement ça l'idée. Au moins c'est pratique. Il est pas content. Fontaine est mort. C'est mauvais pour Fontaine, mais bon pour ce Shang. Si je me fais désirer, Monsieur Ryan sera impatient de me voir. Tenenbaum n'est plus là, Fontaine non plus. Tout Shang est le seul qui connaisse des petites sœurs. Comme je dis, c'est bon pour tout Shang. Insupportable ce Shang. Bien, bon, au niveau des quêtes. Il fait votre voix, prenez apport un protecteur, des échantillons. Allez, on va faire ça. Est-ce que j'ai récupéré? Non, je ne l'ai pas récupéré. Je suis pas là. C'est ici que tu trouveras le synthétiseur vocal pour avoir la même voix que les protecteurs. Quelle créature repoussante! Oh. Insupportable! Bordel quand même, hein. Oh non, mais il me saoule à me péter dans les pattes, quoi. Bordel.
Est-ce que ça marche avec le précipité? Ah, j'en ai plus. Merde, c'est vrai. On pourra pas passer là. Pas bouger. Ah, je l'ai congelé en l'air. Trop marrant. Il défie les lois de la gravité. Allez, finis-moi ça là. Putain, la tourelle elle est pas très motivée. Hein. Tu fais que compliquer les gens. Bon, je passe mon temps à me prendre mes tourelles explosives dans la tronche. Parfait. Je suis un Big Daddy. Je suis un Big Daddy. Oula. Parlons de Big Daddy. T'as vu ça? Pas fait exprès. Désolé. Pas pour moi. Je dois reconnaître que Fontaine a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. Exactement ce que je voulais. Hop. Il est pas content. Il est pas content, le méchant de l'histoire. Oh merde. Voilà. Une caméra là-bas, on va la récupérer. Merde. Bête. Dans ce cas-là. Alors je vais avouer, c'est pas ma zone préférée de... Mais non, mais pousse tout, mais te mets pas devant. Voilà. Hop là, la petite antipersonnelle dans les dents. Le petit dragibus, coucou. Non, c'est bon, y'a rien. Et bon, y'a rien. Rôle de zone. Oh merde. Mais non. Allez. On devrait encore me péter la gueule, non? Tout mais pas ça. Non, mais non. Mais si. Je voulais juste ramasser le cadavre. Bon, y'a que dalle ici. On t'a bien eu. Tu m'as bien. J'ai pas entendu la fin. Je n'ai pas entendu. Oh la vache! Ah oui, c'est que des lance-roquettes. Bon, auto-piratage, je vais me faire chier. Oh, ça peut être drôle, ça. Je m'en doutais. Oh non, l'autre m'est repété dans les pieds, quoi. J'y crois trop pas. Je passe ma life à me prendre des... Enfin bref. Ah, encore une amélioration. Immunité aux dégâts du lance-grenade. Allez, on fait ça. Et on va mettre des carreaux piégés. Faire une super zone de sécurité dans cette zone. N'oublions pas que les mobs repopent et qu'ils gravitent dans le secteur. Et que si je les tue là, bah ils sont pas... Il devait le carreau, il est revenu sur moi. Ça va pas bien. Voilà. On protège un peu les toutours. Ah bah non, je suis con, c'est un cul-de-sac. Bon, c'est pas grave, auto-piratage. Avec un peu de dollars, ça va le faire. Ah non, y'a pas de dollars. Du coup là, vu que je récupère un peu toutes les tourelles lance-missiles du secteur, on est bien. Je ne veux fermer les issues. Oui, c'est ça, soigne-toi. Oui. Voilà, le petit piratage des familles qui fonctionne toujours aussi bien. Ouvre-toi. Je suis protéine. Merde.
là. Bon, je ne trouve pas ce... ce king. Ce king truc pour modifier ma voix, là. Il peut pas être là-dedans, parce que là-dedans, c'est... uniquement pour récupérer un coffre. Là-dedans, on l'a fait. C'est le seul problème que j'ai avec ce niveau. Je l'aime pas trop, parce que souvent, ça me fait ça, c'est-à-dire que je tourne en rond. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès, excuse-moi, je suis passé, pardon, désolé, je suis passé, pardon, désolé. Bon bah ça va être là-dedans. Ouais, on n'a pas été ici. Mais bon, c'est là, c'est sûr. Enfin, j'espère. Bonjour. Je sens pas. Est-ce qu'il y a des faux cadavres? Bon, comme d'habitude, il s'énerve. Hein. Terre au piégé, automatique. Antipersonnel, ça c'est un peu la vie. Tiens, succès Steam, inventeur accompli. Là. On construit beaucoup de... Expert en alarme. Ouais, mettre à la place de vendeur expert. Donc là, attention. Nous avons franchi une étape, il en reste deux. C'est dégueulasse. Maintenant, tu n'as plus qu'à trouver l'armure et les phéromones dans les autres laboratoires. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Donc là, je viens de me faire... Je viens de me faire défoncer les cordes vocales pour devenir un vrai protecteur. Ça s'entendra quand je prendrai des coups. Alors, antipersonnel. Viendez. C'est un truc de malade comment vraiment les munitions de tel type ont un grand effet. Vous entendez quand je prends des coups maintenant? Oh, c'est trop cool. Je suis devenu une Rosie. Avec le dodo, monsieur P. Il est mort ou pas l'autre? Dirait. Ou alors il s'est barré. Ah, apparemment il y a un accident quelque part. Bonjour, je vais te passer. Apparemment ça pète par là. Bref. Oh, journal audio, j'ai pas pris. Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Mais je ne crois pas que nous en aurons besoin. Quand un protecteur est prêt, rien ne peut plus l'arrêter. Ouais, c'est pas faux ça. Bon, techniquement on s'en fout vu que j'ouvre absolument tout. À l'ancienne, c'est-à-dire à la bourrin. On a récupéré ça. Oh, il est pas mort. Ah merde, j'ai balancé un piégé dans sa tête. Non, putain. Je lui ai lancé un carreau piégé, qui d'ailleurs est resté dans sa tête et était s'attaché, je sais pas où. Hors de quoi. On commence. Petit échec de la mission. C'est pour un carreau électrique dans l'œil. Je suis sûr que ça va être très pratique ça. Aïe. Allez, on prend l'antipersonnel. Le truc étant, c'est que là je suis... Ah, moi je viens de là-bas. D'accord. Peut-être là. Ouais, c'est pas vraiment la zone qui me... Merde. Alors là par contre, pour pas taper dedans, les gens me voient cheateuse. Bon allez, on trace. Allez hop, piraté. On ralentit le flux, ça le ralentit, on le ralentit encore. Bzzz. Ouais, ça doit être par ici, ouais je crois que c'est vers là. Okay. Y'a personne. Bon, on en a plus.
passer en ionique au cas où, mais... Moi j'ai tué l'autre en 2 secondes. Putain, j'ai mis 2 balles dans la tronche. Ouais, ici c'est les phéromones, ok. On va puer le fauve. Enfin, le Big Daddy. Je me réjouis de ne pas être près de toi et de toute cette puanteur. Pourquoi les petites sœurs sont-elles attirées par l'odeur de ces phéromones? Voilà qui échappe totalement à ma compréhension. C'est la mûre. Donc ici, c'était les petites chambres dans lesquelles ils s'occupaient des petites sœurs. Ah, c'est trop kiki. F3. Bon, donc là, la zone commence à être vraiment... Merde, j'ai pas ramassé. Oh, la petite. J'ai pas ramassé. Bon, bah, la zone commence à être vraiment optimisée pour que plus rien n'arrive, plus rien ne passe. Munitions antipersonnelles. Ça fait vraiment trop mal. Donc lui s'est fait vaporiser à coup de seringue de petite sœur. Il est tout vide. Oh, des sips. Des sips. Ça s'est cassé. Je sens pas. Ça c'était pour complètement les endoctriner. Je suis quasi sûr que si j'appuie sur la nana, il m'arrive un truc, je me prends un coup de jus. On va pas le faire. Je pourrais me rappeler de ça. Restez toujours près d'un ami. Des anges. Trop bien. Cachette. C'est trop bien. Les filles bien sages savent bien glaner. Ah oui, non plus apparemment. Ah, il y avait une tourelle là-dedans. D'accord. Qu'il faut pour les deux. Hop là. Cette zone est à moi. Ce niveau est mon niveau. Il y a des trucs là-dedans. Je regrette que je saute. Bah c'est mieux quand tu touches en fait. Bon, pas grave mais... Ça sent le faux. Comme ça on en vient. Là on a 2 seringues d'Ev. On va aller là-dedans là-bas. On a des dollars. Et la 3e dose. Parfait. Bon, je ressors. Eh bien, je crois que nous allons faire de toi un vrai protecteur. Oh merde. Il voilà. Ne manque plus qu'une armure. Elle est buggée. Pu régner tout dans mettre, copain, t'as essayé de me tuer quand même. Donc je rappelle que c'est pas de ma faute hein, si on n'entend pas bien notre ami Atlas. Enfin, pas Atlas hein, maintenant, on sait tout ce que c'est. Frank Fontaine, ça vient des réglages du jeu, je peux pas y faire grand chose. Toi, Fontaine. Donc Souchon qui était vraiment un gros enfoiré. Hein. Vos ennemis mettent à l'abri si vous appartient de droit. Papapa. Réduit nettement la difficulté du piratage des coffres et des serrures. On s'en cogne. Bien. Alors. Oh dommage. Oh bien touché. Oh là là, mais ce carreau dans la tête. Les dégâts que ça fait. Alors à noter que le boss de fin c'est le
Le dernier qu'on peut pas vraiment enchaîner, y a pas de vie tachant pour le boss de fin. Le seul truc un petit peu différent, disons. Blom, blom. Bon, on va se casser de là. Y a du méchant. Et puis là j'ai pas la flèche quoi. J'ai pas la flèche. Citron. Citron. Lève pas. Bon, si ça doit être là en fait. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. Bon, j'avoue que les munitions type personnel ça défonce. Ouais, c'est bon, c'est par ici. J'ai une bonne déduction. Ah, on la voit, elle est là-bas. Ouh, je t'ai eu. Ouh, je t'ai eu. Mais merde. Vous êtes malade. Vous êtes infecté. Et boum! Bon alors, on les récupère pas que pour le fun, hein, les armures. Hein. Je sais pas si je l'ai vraiment montré. Bah de toute façon, on va le voir là, quand je vais prendre la grosse. Je crois qu'il y a que la grosse. C'est que là-bas qu'il y a changé les choses. Mais... un ami du parasite. C'est vrai qu'on a un parasite, on a un sacré parasite. C'est rien ce que je fais, de toute façon je suis fou. Merde. Que fais-je? On a récupéré, on est 360 balles de Metrayers. Voilà, la combinaison de protecteurs augmente de 25% votre résistance à tous les dégâts. Ça, c'est pas mal. Alors, par contre, pourquoi j'ai pas le scaphandre ? D'où cette connerie ? Ah merde, c'était que l'armure, j'ai pas encore le casque. Oh. Trouver un casque. Service escorte blindé de sécurité. Non, ils sont liés. Y'a plus qu'à bien fouiller. Gardienne conversion A. Il est là-bas. Bonjour. Voilà. Bon, à partir d'ici, on va voir de façon un petit peu étriquée. Hein. Oui. Mais nous sommes... le Big Daddy. Tu es prêt? Maintenant, dirige-toi vers l'aération près du terrain d'essai pour appeler une petite sœur. Nous ne sommes pas le Batman. Nous sommes juste le Big Daddy. Bah oui, étonnamment, on a les mains à l'air. Hein. Ça, c'est un peu bizarre. Donc là, du coup, j'ai une espèce de perspective un petit peu étonnante. Ouais, salut. On va vider un peu les Haymo. Ouh, y'a du monde, dis donc. Elle est beaucoup plus précise comme ça, la sulfate. On va éviter de toucher le protecteur au fond. C'est pas sur moi qu'il faut tirer. Il est là. Ouais, peut-être qu'il va me mettre. Ah, technique, stratégie. Hop, on le met sur le Big Daddy. Comme ça, ils vont taper le Big Daddy. Non, marche pas. Regarde, il est là, il est là. Ah, ça marche pas. Dommage. Il y en a un mec qui se veut, Big Daddy. Alors, les plafonniers sont quand même cool à. J'allais dire à photoshopper. À photographier. Parce que, comme on l'a vu au début, hein, rappelons que maintenant je peux récupérer leur cœur et en faire des trousses de soins. Donc, j'ai plus aucun problème avec les trousses de soins là. Plutôt cool. Bon, bah, ça y est, on est Big Daddy, on peut y aller. Bon, moi, c'est ma conception de fait. Et on appelle notre pauvre petite sœur. Il va falloir défendre, hein. Attention. Et nous sommes un Big Daddy. Vous n'avez sauvé ou récolté aucune petite sœur sur ce pont. Bon, on s'en fout.
Allez. Vas-y, petite sœur. La glaneuse. Va glaner. Allez, allez, monsieur P. Bon, elle était blonde, hein, elle est plus blonde. C'est pas grave. Bon, après, vraiment. Sur le scaphandre, c'est un petit peu plus compliqué de voir ce qui se passe. Roulant, monsieur P. Les anges aiment pas les gros balourds. Il y a des anges qui veulent un bisou. Mon petit Patrick chéri. Un jour, je fonderai peut-être une vraie famille. Ça marche vraiment bien avec les pigeons. Vite, vite, monsieur P. Arrête. On n'est pas méchant avec BioShock, Aurès. C'est trop lent, monsieur P. Les anges aiment pas les gros balourds. Il faut y aller, monsieur P. Sache que pour son époque, Aurès, il reste beau. Et il y a un détail qui est très important pour un jeu vidéo. Il est bien. Allez, ce qui n'est pas allez, le cas de monsieur tous P. les jeux. Bon. Il faut que j'aille récupérer la caméra absolument. Autopiratage. Hop. Tout ça. En fait, la mistinguette là va venir récolter ce corps. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Carreau piégé. Sinon, ils vont me faire chier. Physiquement j'ai un peu merdé, c'est un peu débile ce que je viens de faire. Ça passe. Bonne nuit, Aza. Voilà, là, se faire attaquer, bah, évidemment, parce que tout le monde veut récupérer son Adam. Lève qui récolte. Ce qui va m'aider, bien sûr, ce sera ça. Merde. Ah, j'avais pas vu ça. Ça va être gênant. Qui a raté. Ah, je suis en train de bugger du cerveau. Bon. Ils ont quand même massivement résisté à tous mes pièges, ce qui m'arrange vite, pas trop. Vite, monsieur P. Donc là, il tape la petite sœur, ce qui m'arrange pas. C'est pour ça que le leurre, c'est plutôt pratique. Les anges aiment pas les gros balourds. Y'a des anges qui veulent un bisou. Ça pue. Voilà. Pour elle lance flamme, on la récupère. Je sais. Ne gueule pas dessus, Tanette Baum. Ils se prennent tranquille mes carreaux quoi. Ah mais ils me l'ont défoncé à la pluie en fait. Ah mais c'est moi que tu crames débile. Ah, c'est vraiment plus compliqué en difficile hein. T'as la vache. Ah, il est vraiment nécessaire ce leurre, on a vraiment besoin. Mais arrêtez de me défoncer. Ouais, crame-le, c'est bien. Ça, c'est le bordel là par contre. Hein. Il faut y aller, monsieur P.
Très bien, la tourelle lance-flamme bosse bien. Là, on va passer en lance-flamme aussi. Je vais les napalmer. Oh non, monsieur P. Les anges aiment pas les. Tu dois protéger les petites sœurs. Elles n'ont plus d'Adam dans le corps et sont aussi vulnérables que les autres enfants. Elle est morte. Putain, elle est morte. Mais quelle conne. Je suis désolé. Je suis sûr qu'elle est morte comme une débile au niveau du lance-flamme. Celui-là est certain. Putain, c'est fait buter comme une caca. Et je suis sûr qu'elle est passée de là-dedans. Elle a dû passer sur les cadavres des mecs quand ils étaient en feu. Elle est morte. Bien. Merde. Ouais. Au cas où, mais normalement j'aurais pas besoin. Putain, mets ton cul un peu. En avant ma grande. Enfin ma grande. Vite, monsieur P. Les anges. Ah oui, alors ici je crois qu'elle peut mourir vite fait. Vite, monsieur P. Génial. Je suis décédé. Bon, par exemple. Ça va que j'ai mis le passif pour congeler en fait, sinon j'étais mort. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, là. Aïe. Oh, mais je l'ai relu. One shot. Ok. Ah. Bah, moi aussi. Putain, la vache, le mode difficile ça pique, hein. minutes de VOD, j'ai un petit peu abusé. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Vidéo un peu plus longue. Je suis complètement perdu en route sur la durée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à follow sur Twitch. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus tard sur la Nomar TV.